Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015. Nous allons démarrer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée est une très belle carte et en plus de ça, elle nous renseigne sur ce qui va bien pour vous ce mois-ci. Et nous avons tiré la carte du soleil que je vais vous montrer ici et que je vais laisser au premier plan là pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. Alors la carte du soleil, on l'a eue d'ailleurs également pour, je crois que c'était le signe des lions, ou alors, non, je crois que c'était le signe des cancers. Donc si vous êtes balance ascendant cancer, vous allez vraiment avoir une très belle rencontre ce mois-ci. Effectivement, la carte du soleil nous parle de rencontres amoureuses ou en tout cas de retrouvailles. Dans le domaine sentimental, elle favorise tout ce qui est en relation avec le foyer, la famille, les naissances, les enfants surtout. Et si on est célibataire, elle annonce de meilleurs jours côté amour et certainement une rencontre qui en plus risque de s'avérer importante dans le futur, dans le cadre de son développement. Dans le domaine professionnel, la carte du soleil nous parle aussi d'associations et favorise en tout cas tout ce qui sera dans le cadre d'une coopération. Bref, travailler avec les autres vous sera favorable ce mois-ci ou peut-être avoir une double activité professionnelle, travailler avec quelqu'un d'autre et allier, bref, bon, des projets à deux sont, vous l'aurez compris, favorisés. Donc, la carte du soleil, en positif, nous apporte des éléments d'information qui vont favoriser tous les types de rencontres et d'associations qui seront les vôtres ce mois-ci, mes chères balances. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient dans votre vie. En face, nous avons les obstacles ou les difficultés ou les choses qui pourraient vous poser problème ce mois-ci. Et la carte que nous avons tirée, c'est l'impératrice. Alors, si cette carte s'adresse aux femmes balance, la carte de l'impératrice pourrait nous dire que vous avez peut-être du mal à vous assumer ce mois-ci, vous avez peut-être perdu confiance en vous. Dans le cadre où cette ce tirage parle à un homme balance. La carte de l'impératrice pourrait nous parler d'une femme qui pourrait vous poser des problèmes, sachant que l'impératrice représente une femme toujours très séductrice, très belle, ou très intelligente, ou les deux. Ça pourrait être, alors mes chères balance femmes, une rivale, la présence d'une rivale, et mes chères balance hommes, peut-être une ancienne relation qui refait surface, alors vous êtes en couple et ça vous embarrasse, mais vous êtes bien contente de la revoir, puisque il y a ces retrouvailles, ou en tout cas une femme qui pose problème dans votre vie pour une raison ou pour une autre. La carte de l'impératrice nous parle aussi de communication écrite, elle peut dans ce cas-là nous parler de problèmes. C'est vrai, alors quand je disais une femme qui vous pose des problèmes, balance femme ou balance homme, hein, d'ailleurs, cette femme qui peut vous poser des problèmes peut être dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, c'est pas que affectif. Et donc pour en revenir au symbole de la communication qui est liée à la carte de l'impératrice, c'est la communication la plupart du temps par écrit. Et cette communication, elle peut poser problème. Ça peut être une conversation téléphonique ou par mail ou par de vive voix d'ailleurs, qui tourne mal, où on nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou ça peut être une communication qui s'est interrompue et que vous vivez mal. Voilà, dans ce cas-là, si c'est le cas, le soleil vous invite à reprendre contact, hein, puisqu'on a d'un côté la discussion coupée avec cette femme peut-être, et le soleil qui vous dit, bah, reprenez contact, retrouvez-la, retrouvez-vous. Au-dessus, on a la carte de la vi de vibration, qui est une très bonne carte et qui va avoir un effet assez, on va dire, un écho avec la carte suivante. On a la carte de la roue de la fortune qui nous parle toujours de nouveaux cycles. Il y a vraiment, je crois, beaucoup de ressemblances entre ce tirage et le tirage pour les cancers, si je ne m'abuse. Donc, s'il y a vraiment, vous avez votre signe en lune ou votre ascendant qui est vice-versa, d'ailleurs, enfin,
Balance ou cancer, il y a beaucoup de symboliques similaires. Bref, la carte de la roue de la fortune nous parle d'un nouveau cycle, d'un changement, quelque chose qui se termine et quelque chose qui est sur le point de changer, qui est sur le point de changer. La roue de la fortune, on ne sait jamais dans quel sens elle va tourner, si elle va monter ou si elle va descendre. Mais vu la carte dont nous parle le chariot, la carte suivante, pardon, le chariot, ce dont nous parle cette carte-là, c'est de mouvement, de transformation, de changement. Donc, comme ça, on sent que c'est déjà sur le point de se produire. Peut-être que fin juin ou début juillet, vous étiez déjà dans cette idée que les choses vont tourner, changer, que vous avez fini vous êtes peut-être en période de transition, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, vous êtes vraiment sur le point d'aller vers quelque chose d'autre. La carte du chariot nous dit, vous allez y aller ce mois de juillet, vous allez mettre les choses en mouvement, ce projet que vous vous attendiez, vous allez le lancer. La carte du chariot, c'est le domaine professionnel, alors c'est pour ça que j'en parle. C'est aussi les déplacements. Alors c'est vrai que ça va favoriser les déplacements, mais c'est pas une carte étonnante puisque on est pendant la période des grandes vacances, donc les voyages et les déplacements sont à prévoir. Mais la carte du chariot pourrait nous dire que vous allez tout simplement prendre les rênes de votre existence en main et que vous allez insuffler le chemin, enfin vous allez emprunter la voie que vous souhaitiez emprunter et que vous allez prendre la direction que vous souhaitez prendre, quoi. Le chariot, c'est on y va. Donc, on passe à l'action. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, j'espère que cet horoscope vous aura d'une manière ou d'une autre orienté. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre l'horoscope du mois d'août sans avoir un doigt à lever. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des tirages au sort pour permettre par des concours mensuels donc de remporter aux gens qui me suivent un tirage personnalisé, gratuit. De 15 à 25 minutes sur la thématique de votre choix. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre et à participer au concours. Voilà, encore à tous un très bon mois de juillet et je vous dis j'espère à très bientôt.